Bonjour, bienvenue dans Prends ça dans ta palle, la rubrique BookTubing de la médiathèque de la Chapelle des Fougerets. Aujourd'hui, je vous présente le roman que tout le monde attendait, en tout cas moi, le dernier Karine Gibel, Toute blesse, la dernière tue. Si je ne vais pas faire une vidéo aussi longue, je ferai juste waouh! Karine Gibel, elle nous a habitués toujours à avoir des thrillers psychologiques qui nous prenaient aux tripes. Et là, on n'est pas forcément dans un thriller psychologique, mais alors ça nous prend aux tripes. Et nous avons, comme d'habitude avec Karine Gibel, tous ces personnages qu'elle arrive à décrire psychologiquement, c'est vraiment très impressionnant. L'histoire, elle est forte, très très forte. Elle est dure. Au fur et à mesure des pages, on ne sait pas à quoi on va s'attendre, jusqu'où on va aller, jusqu'où elle va aller. Si je parle d'une histoire dure, c'est que le thème du roman, c'est l'esclavage moderne. D'autant plus que l'héroïne de Karine Gibel n'a que 8 ans au début du livre. Et on va suivre tout au long du roman sa vie d'enfant et d'adolescente, sans savoir jusqu'où l'auteur va aller dans l'horreur de ce que va subir Tama. Malgré tout, on discerne une petite lumière au bout du tunnel et on espère que Tama va se diriger vers cette lumière. Cette histoire fait écho à l'actualité, puisqu'en ce moment, nous fêtons l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Ce roman est disponible à la médiathèque depuis début mai, alors en un mot, allez-y. Foncez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et j'espère vous retrouver rapidement pour une autre vidéo coup de cœur. Au revoir! L'histoire, elle est. Ça va comme ça? Ça va? Si je parle d'une esclave. Si je parle. Ce roman est. Il est bien! J'espère vous retrouver bientôt pour une autre vidéo coup de cœur. Thank you.